bienvenue dans le web journal du Grand Raid 2014. Cette semaine, les inscriptions s'ouvrent pour les trois courses. Pour nous en parler, Marc Lévy de l'association du Grand Raid. Nous avons ouvert les inscriptions pour la Diagonale des Fous, pour les locaux qui se préinscrivent jusqu'au 28 mars à minuit pour le tirage au sort qui aura lieu le 9 avril. Il n'y a pas de limite puisque c'est un tirage au sort, hein. On tirera 1100 places. Si nécessaire, bien sûr, s'il y a plus que 1100 postulants, on y fera un tirage au sort. Il faudra bien avoir ces points, minimum 85 points qui s'obtiennent en ayant couru un trail ou un ultra-trail qui ouvre droit à ce nombre de points. Et je rappelle que pour avoir ces points, 1 km de distance, ça vaut 1 point, 100 mètres de dénivelé positif, ça vaut 1 point aussi. Une course qui fait 60 km et 2500 mètres de dénivelé positif, ça vaut donc 85 points. La période de validité s'étend du 1er janvier 2012 au 31 juin 2014. C'est pas les Alpes ici, hein. C'est terrible. Sur les extérieurs, nous avons ouvert les inscriptions le 17 février à 13h et à 22h environ, c'était déjà plein. Donc 1100 places sont déjà parties. C'était très rapide, oui. Je crois savoir que c'est le record, voire le deuxième temps qui a pris pour remplir le quota. Hier, j'étais derrière mon écran et je consultais en temps réel les connexions et il y avait du monde à l'ouverture, beaucoup de monde. Bien sûr, nous sommes bien désolés pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur les grands raids extérieurs. Nous sommes bien obligés de mettre une limite, hein, une limite de nombre, puisque après, on ne peut pas gérer un nombre trop important de coureurs sur ce genre d'ultra-trail. Le trail du Bourbon et la Mascarene ne sont pas encore ouvertes. Elles ouvriront pour le trail du Bourbon jeudi à 10h, heure de la Réunion, je précise bien, ce qui fait 7h en métropole, et la Mascarene samedi prochain à la même heure, 10h aussi. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu éventuellement obtenir une place sur la Diagonale des Fous, il y a encore le trail du Bourbon